la cochonnerie. Et oui, un temps magnifique sur la route du Tour de France aujourd'hui avec un champion qui arrive très très belle proposition. Il enchaîne parfaitement. Hop, regardez, c'est fantastique, incroyable. Il arrive à enchaîner, peut-être va-t-il lâcher les concurrents. Oui, il s'échappe, c'est incroyable, c'est une fée. Quel magnifique moment de sport, c'est incroyable, bravo. C'est superbe, petit français nous donne à rêver encore cette fois-ci. La cochonnerie. La cochonnerie. Aujourd'hui, il fait un temps de merde à la confinerie. Mais ce n'est pas grave. Une nouvelle rubrique s'impose. Amis confinés ES et amis confineurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de Un confinement, un livre. Aujourd'hui, le livre qui m'a complètement flashé, bipé, c'est Petit ours brun au cirque. Édition Fayard, excellent livre où on voyage un petit peu, où on s'amuse. C'est un livre qui a été laissé dans ma voiture, parce que je suis bloqué dans ma voiture aujourd'hui car il pleut. Donc il pleut depuis 2 jours ici dans le Pays Basque. Bon, heureusement, j'ai quelques barres de céréales, des balistos et un petit céréale aux pommes noisettes. Donc j'ai pu rester. Et je remercie d'ailleurs Minouche, Nick Cannon et Léo d'avoir laissé aussi, d'avoir oublié ce petit livre très agréable dans la voiture, car je le lis et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est ? Petit ours brun au cirque, et ben c'est l'histoire de Petit ours brun qui va au cirque. C'est l'édition Fayard hein, qui l'ont édité en 1995. Hein, et ça remonte quand même, hein, ça n'a pas pris une ride. Et Petit ours brun donc va avec sa mamie au cirque, découvre un monde merveilleux fait de couleurs, de mouvements, de spectacles et des artistes, jusqu'à ce qu'il arrive le spectacle des clowns. Enfin, les clowns, c'est un peu comme les mimes, ça casse les couilles, c'est chiant les clowns, ça fait chier, c'est même pas drôle, quoi, hein, c'est un peu comme Cyril Hanouna. Donc, Petit ours brun voit les clowns arriver et il a peur, Petit ours brun, il se dit, mais pourquoi c'est nul, pourquoi c'est chiant, pourquoi... Petit ours brun, t'es tombé. Et finalement, au fur et à mesure, eh bien, il rationalise, il s'habitue et il finit par aimer les clowns. Et c'est là que moi, personnellement, même si le livre, merveilleux livre, ne fait que 11 pages, hein, et on voit, c'est écrit très très gros, eh bien, ça a commencé à me faire chier. À partir du moment où il a aimé les clowns, je me suis dit, oh, ça va, espèce de rationaliste de merde, collabo, ça va, hop là, tout est merveilleux à partir du moment où on n'a pas le choix. Donc, force est de dire que c'est un livre qu'on peut lire dans une voiture, mais peut-être pas jusqu'au bout. Voilà. C'était mon conseil du jour pour ce nouveau numéro de Un confinement, un livre. Je vous dis à très vite, à très bientôt. J'espère... La confinerie. Rosé vu du ciel. Le ciel dans le rosé, le rosé dans le ciel, il y en a Bertrand Artus, rosé dans le ciel, rosé. La confinerie.